Je suis Olivier Bernabeu de l'agence MDB Imo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce petit village de 1000 habitants qui s'appelle Villars-sur-Var, qui dispose de ses quelques commerces, bars, restaurants, boulangeries, supérettes. C'est un endroit où il fait bon vivre, mais aujourd'hui je suis là surtout pour vous présenter une petite maison de village sur deux niveaux et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Elle est située dans la rue de la Jutterie, elle fait 115 mètres carrés, traversante nord-sud, et elle est composée de trois chambres ainsi qu'un bureau. Contrairement à beaucoup de maisons de village, celle-ci dispose de places de parking. La rue de la Jutterie est donc celle-ci, et le parking se trouve juste là. C'est une rue qui est parfaitement au calme. Voici donc la façade, qui est plutôt en bon état. La maison étant inhabitée, l'électricité a été coupée, je ne peux donc pas vous présenter le rez-de-chaussée qui est composé d'un couloir desservant la salle de bain et la première chambre. Au premier étage, voici la deuxième chambre. Elles sont plutôt spacieuses. Ainsi que la troisième qui est en réalité une chambre de maître puisqu'elle dispose de sa propre salle de bain avec fenêtre. Au deuxième étage, cette maison dispose d'un séjour salle à manger de plus de 22 mètres carrés qui reste très lumineux grâce à sa double exposition et au Velux électrique qui a été mis en place. La cuisine, quant à elle, est spacieuse. Elle permet d'y installer une table si on veut pouvoir y prendre des petits déjeuners. Elle reste entièrement équipée et aménagée et dispose donc de deux fenêtres pour pouvoir évacuer éventuellement les odeurs de cuisine. Et enfin, pour finir, une mezzanine a été installée, pouvant servir éventuellement de chambre d'enfant ou de bureau, selon vos besoins. J'espère que la présentation de cette maison vous a plu. Pour toutes questions, vous trouverez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la présentation en vidéo de nouveaux biens. Bye!